là, on a véritablement un concentré de tout ce qui peut être moyen de défense par rapport à l'évolution des moyens d'attaque entre l'Antiquité tardive et le XIIIe siècle. On voit très bien ici ce que le bois pouvait apporter à la construction avec les ours qui ont été reconstitués au XIXe siècle pour voir vraiment comment se trouver au-dessus de l'assaillant pour l'empêcher finalement de passer par la porte. On sent quand même ce Moyen-Âge un peu paranoïaque où on se défend comme ça de façon presque exagérée. On est vraiment dans une ostentation de la puissance royale du roi de France au XIIIe siècle.